Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma recette de la pizza XXL avec les ingrédients que je préfère. Je vais vous emmener directement en cuisine avec moi pour vous montrer tout ça. C'est parti, let's go. Donc c'est parti, let's go, je vais vous présenter les ingrédients rapidement. Il vous faudra de la crème fraîche, de la mozzarella râpée, du petit poulet, du gruyère, alors emmental râpé ou non, c'est comme vous avez, des champignons, des pommes de terre, des lardons fumés bien évidemment, le fromage à tartiflette, incroyable, et du coup les pâtes à pizza. Première étape, vous allez prendre une plaque, vous allez déposer votre pâte à pizza, vous allez ajouter de la crème fraîche, donc c'est parti. Donc deuxième étape, vous allez ajouter une partie de vos lardons fumés. Étape numéro 3, vous allez ajouter des petites pommes de terre. Donc c'est parti. Étape numéro 4, vous ajoutez des champignons. Étape suivante, vous allez ajouter du poulet. Et enfin, pour la dernière étape, c'est l'étape du coup des fromages. Pour les fromages, vous allez ajouter dans l'ordre le fromage à tartiflette, l'emmental et ensuite du coup la mozzarella râpée. Donc c'est parti, voilà ce que ça donne. Donc voilà, la pizza elle est terminée, il ne reste plus qu'à l'enfourner. Mais ça bien sûr, ce n'est que la première étape car je vous réserve une superbe surprise pour la suite du coup de cette pizza XXL. Donc voilà le résultat, la pizza une fois cuite. Maintenant, la surprise dont je vous ai parlé, c'est parti, let's go. En fait, on va monter un étage sur la pizza, donc on va faire une pizza à deux étages, c'est parti. Donc première étape, il va falloir prendre l'autre pâte à pizza et la mettre par-dessus. Donc c'est parti, ça donne ça. Une fois que la pâte à pizza est posée sur la pizza déjà prête, vous allez répéter toutes les étapes précédentes pour arriver au même résultat et enfourner. Donc voilà le résultat juste avant enfourner. On enfourne et on se retrouve juste après. Donc voilà le résultat de la pizza à double étage. Donc voilà les amis, on se retrouve après la recette de la pizza XXL en mode plutôt double étage, j'ai envie de vous dire. Je pense que je l'ai plutôt réussi. Regardez de plus près, je sais pas si on voit les doubles étages, on le voit un petit peu sur le côté là. Waouh, elle est bien fat comme vous pouvez voir, c'est magnifique, elle est super grosse, elle est super lourde surtout. Donc ça c'est cool, ben, écoutez directement, on va prendre un petit couteau et je vais venir la couper en plein milieu. Waouh, oh là là, c'est un giga tacos en fait les gars. Mmh. Regardez l'intérieur de la pizza en mode double étage. C'est juste une folie. La pâte, elle est parfaitement cuite, j'ai l'impression. Ça me promet d'être exceptionnel. Écoutez, je vais me couper une part que je pourrais attraper dans les mains. Hop, on va sortir la part. C'est parfait, là. Waouh, waouh, waouh. C'est incroyable. Regardez-moi cette part. Extraordinaire également. Ben, écoutez, c'est parti, sans plus attendre. Je vois de la crème fraîche, des lardons, du poulet, des pommes de terre, du fromage à tartiflette, donc reblochon, de l'emmental, il y a tout qui est fondu dessus, la mozzarella et tout, c'est exceptionnel, c'est parti. Let's go pour attaquer et pour tester cette super pizza. Allez. Oui. C'est super bon. Waouh. La pâte, je l'ai trop bien cuite. En mode ultra épais avec les doubles pâtes. C'est trop bon, je kiffe. Il n'y a que des ingrédients que je kiffe là-dedans. Oh, la pomme de terre en plus. Par-dessus, il y a une tartiflette sur une pizza avec du poulet, des petits champignons. J'adore. Waouh. C'est incroyable. Pas trop salé en plus pour le coup. J'ai pas rajouté de sel hein, dans la recette, je précise. J'ai rajouté seulement du poivre. C'est bien équilibré. Ça fait trop du bien. J'ai mis hyper longtemps à cuire ça parce qu'il fallait d'abord faire cuire le premier étage et ensuite cuire le deuxième étage. Ça a pris du temps, je vous le dis. Et du coup, ça m'a fait creuser la fin. Waouh. Par contre, si j'arrive à finir tout ça là, je suis chaud parce qu'elle est vraiment massive. Les pâtes, c'est les pâtes maxi là que j'ai pris chez Super U. Elles font 500 grammes la pâte. Hein. Donc ça fait 1 kg de rien que de pâte à pizza. Wow, massif. C'est super bon.
Alors comme vous avez pu voir dans les ingrédients que j'ai utilisés, je me suis pas embêté, j'ai pris des trucs déjà tout préparés, notamment pour les pommes de terre en conserve et les champignons. J'ai pas eu à les cuire au moins, c'était déjà prêt. Juste à découper les pommes de terre pour les mettre du coup en mode rondelle sur la pizza. Et la pâte à pizza, pareil, je l'ai pas faite bien sûr, donc j'ai acheté directement la pâte à pizza au supermarché. Regardez-moi la petite pâte, enfin la petite, elle est quand même assez épaisse, comme j'aime. Si vous préférez les pâtes fines, n'hésitez pas à faire la recette avec une pizza pâte fine. Pareil, vous mettez pas le double étage, ça c'est pour le kiff, c'est parce que je suis un gros mangeur, c'est tout. Mais si vous aussi vous êtes un gros mangeur comme moi, n'hésitez pas à monter un immeuble, à monter les étages en mode promoteur, bam, et vous faites kiffer. Bon, la première part, c'est déjà réglé. C'est parti, on va se couper une deuxième. On va faire ça en 6 parties. Tac, ça c'est la deuxième part. Beaucoup de garniture dans celle-ci, pas trop de croûte parce que c'est celle du milieu. Vous voyez le petit poulet, les filets de poulet là. Oh, c'est une dinguerie. Rien que ça, c'est un petit tacos M. Donc j'ai 6 tacos M, j'ai l'impression là-dedans. Oh là là, c'est la folie. Est dosé parfaitement. Le problème, c'est que je sais pas du tout combien de quantité j'ai mis au niveau des doses. La crème fraîche, je suis allé à peu près, et le reste pareil en fait. L'effet mozza comme ça, hop là, incroyable. Le fromage reblochon fondu sur la pomme de terre, une dinguerie, on fait plaisir, la bonne bouffe là. Ah. Petite précision aussi, avant d'attaquer la pizza, je vous conseille de la laisser refroidir un petit peu. Si vous optez bien sûr pour la pizza en mode double étage. Parce que comme c'est un double étage, le milieu, enfin celui qui est en dessous, à l'intérieur, va être super super chaud. Donc vous allez vous brûler. Donc attendez un petit peu qu'elle refroidisse. En plus, vous allez gagner en prise de main, en ergonomie, quand elle sera un peu plus tiède on va dire. Elle va pas tomber, elle va bien tenir comme ça là. C'est incroyable du coup. Deuxième part, fini, détruite, ça fait plaisir. Ouh, ça va un peu mieux, je suis un peu calé là déjà. Un peu, tout doucement, pas trop, hein. On n'est vraiment pas du tout calé en fait. Donc j'ai la troisième part, j'ai mangé ça tranquillement. Et ce que je vous invite à faire pendant ce temps-là, c'est à me dire dans les commentaires, c'est quoi vos ingrédients préférés que vous utilisez le plus souvent dans vos pizzas, quand vous faites des petites pizzas fait maison. Faites-vous kiffer du coup dans les commentaires, mettez vos petites compos de pizza quand vous faites des pizzas fait maison. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller dégommer celle-là encore. Allez, c'est parti. Petite pause, regardez, juste pour vous montrer comment c'est épais en fromage à l'intérieur. C'est abusé, franchement. Si vous kiffez le fromage, si vous kiffez le reblochon, du coup, fromage de tartiflette, l'emmental et la mozza, mais vous allez être servi. C'est trop bon, c'est doux, ça me coulisse, c'est tout doux. Mmh. Ah, j'en ai partout dans les dents. Ça fait du ciment dans mes dents. Bon bah c'est parti, on va continuer. On va se faire la deuxième part. Elle est trop lourde, j'arrive même pas à la déplacer. Mais rien que ça, c'est un truc de malade. Moi je viens de manger ça en fait déjà. Genre l'équivalent de la moitié, c'est ça. Vraiment, c'est abusé ce qui est en train de se passer. C'est parti, on va se couper une part. Ça se coupe super bien. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ben ouais, quand on se fait des petites pizzas maison comme ça, comment tu veux dire le contraire? On voit les étages là. Je m'en remets pas en fait. On voit bien les couches, premier étage, deuxième étage, première garniture, deuxième garniture, c'est juste de l'art. Ce que je vous propose ce soir, dans cette vidéo, c'est de l'art. Au patrimoine de l'UNESCO bientôt. Ah oui, direct. Je croque. Là, premier truc, le fromage. Deuxième truc, la pomme de terre. Après, il y a quoi qui arrive? Le petit lardon fumé, comme ça, qui vient se diffuser dans ta bouche. Et la pâte à pizza, qui ferme la marche. C'est juste incroyable, un délice. Donc là on voit bien tout ce qui est poulet, donc l'intérieur, la garniture, poulet, lardon, fromage,
c'est juste magnifique. Hein. J'avais peur que ça soit sec, parce que j'ai pas trop mis de crème au final. Et c'est parfait, avec le fromage qui vient couler en fait. C'est parfait, le dosage est vraiment parfait. Pour la crème fraîche, il faut que ça soit juste recouvert, tartiné, bien étalé. Faut pas que ça fasse un mode piscine débordante, tu vois. Waouh, là on est plutôt bien, on s'est calé. Il me reste 2/6 de la pizza, je l'ai démonté, vraiment je l'ai démonté. Ça fait quand même une grosse part. Je ne fais que vous la montrer la pizza, mais pour moi je la trouve vraiment magnifique et je vous la recommande à tester. Bien évidemment, première étape, vous la faites en un étage. Si vous êtes un aventurier, un valeureux combattant, c'est parti, let's go pour le 2e étage. Donc écoutez, je vais quand même finir le boulot, hein. Je pourrais m'arrêter là, je suis plutôt bien, je suis plutôt rassasié. Je vais finir cette grosse part là quand même, ça me fait chier de la laisser, parce qu'elle est quand même plutôt bonne. Et après on reprendra la nourriture plus ou moins saine demain quoi, je viens de vous dire. Mon demain, il fait que être le demain du demain. J'aimerais reprendre un petit peu à manger des aliments sains, en dehors des vidéos. Mais c'est vrai que je suis trop habitué à manger de la merde, à manger de la food porn. Du coup, ben, même en dehors des vidéos, je me fais trop kiffer en fait. J'ai quand même du boulot, je vais aller taper, c'est part, let's go. Pour la dernière part, on va la scinder en plusieurs petits morceaux pour la manger. Des petits morceaux qui sont déjà très 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 massifs. Ouais, let's go. Je continue tout ça. J'espère que je vais réussir à finir parce que quand même, ça blende de ouf. Mais qu'est-ce que je kiffe quand ça blende comme ça. On profite. Hop, on se remet une part. Je sais plus si j'ai des dents ou si c'est du fromage. J'arrive plus à savoir. Je crois que c'est du fromage, mes dents. Elles sont devenues en mode fromage. Je sens plus que ça. Ouais, il me reste un petit carré. Là, je vous avoue quand même que je suis calé. Hein. Je pourrais très bien m'arrêter. Je suis quand même humain. Je mange beaucoup, certes, mais j'ai quand même des limites, bien sûr, bien évidemment. Sinon, il y aura un problème, je ne comprendrai pas. Ça ferait un moment que je serais allé consulter, sinon. Donc c'est parti, let's go, on va finir quand même ça. On va pas laisser ça maintenant, on est allé trop loin pour s'arrêter, donc let's go. Donc il me reste une petite part, toute petite, toute mignonne. Ah, ça fait du bien quand même de finir. Donc c'est parti, let's go, 1, 2, 3... Alléluia, on a fini cette pizza du coup. Une chose à dire sur cette pizza en mode XXL maison, testez-la, testez cette recette, testez pas forcément le double étage, mais surtout la compo que j'ai mis dedans, à savoir pâte à pizza, crème fraîche, base crème fraîche, bien évidemment, lardons, pommes de terre, champignons, poulet, ça fait 6, et après il y a les fromages, donc reblochon, mozzarella, et bien sûr un peu d'emmental, donc ça fait 9 ingrédients en tout, donc on est plutôt pas mal. Enfin bref, moi je me suis régalé, j'espère que vous aussi vous êtes régalé devant cette dégustation food challenge que je vous ai proposé. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à bombarder la barre des pouces bleus, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi, je le répète, pour ceux qui ne le sont pas déjà, à vous abonner, ça devient un rituel, donc abonnez-vous vite, 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 pour ne manquer aucune de mes vidéos, et pour ça en plus, il faut activer la petite cloche, ding, et puis, ben moi, je vais vous dire à une prochaine, pour une prochaine vidéo, sur ce, gardez la forme, ciao, bye bye, peace.